C'est un jour exceptionnel où le colonel sortant Alassane Ba a passé le témoin au colonel Malan Diédou pour assurer la conduite de la direction régionale des douanes du Sud. C'est un jour qui rentre dans le cadre normal du fonctionnement de l'administration. Les hommes sont appelés à servir l'administration partout où le besoin les appelle, mais également à prendre fonction partout où le besoin les appelle. Le colonel Alassane Ba a servi l'État ici au niveau de la région de Ziguinchor de manière exceptionnelle. Nous retenons du colonel Alassane Ba un homme d'une dimension sociale exceptionnelle, un homme qui a compris qu'à côté de la dimension professionnelle, nous devons cultiver des relations fraternelles, des relations simplement humaines avec toutes les composantes de la société. Il a réussi à faire de la douane un centre d'intérêt qui fait que les opérateurs économiques sont prêts à aller vers la douane. Et également, il a fait de l'interopérabilité des forces de défense et de sécurité une réalité. Il a réussi à mettre ensemble avec le colonel commandant la zone militaire numéro 5 et les autres chefs d'unité à mettre ensemble les forces de défense et de sécurité, à mettre en synergie les moyens humains et matériels dont nous disposons au niveau de la région pour mener à bien notre action. Son homme également, du point de vue professionnel, a toujours prôné la qualité du service, a toujours prôné la loyauté et a toujours prôné également l'engagement de l'agent de l'État vis-à-vis de l'État dont il sert, mais vis-à-vis également des populations bénéficiant du service. Maintenant, il s'en va, le colonel Alassane Ba. Il est remplacé par le colonel Malan Diédou, un homme que nous connaissons parfaitement, un homme également qui a les compétences requises pour continuer le travail que le colonel Alassane Ba a effectué au niveau de la région de Ziguinchor, un colonel qui est pétri de qualité humaine et de qualité professionnelle. Parlant du colonel Malan Diédou, nous avons invité les opérateurs économiques à continuer la collaboration qu'ils avaient avec le colonel Alassane Ba pour continuer à faire de la douane sénégalaise un centre d'intérêt, mais également continuer également à faire de la famille des forces de sécurité et de défense une réalité. Et c'est ce qu'on attend du colonel Malan Diédou. Également, nous attendons de lui de continuer à soulever ou à hisser le plus loin possible le flambeau. Le colonel Alassane l'a hissé à un niveau très élevé, mais nous comptons sur c'est l'expérience du colonel Malan Diédou pour véritablement continuer à bien tenir ce flambeau-là, mais également à continuer à manager les services de douane et à continuer à raffermir les bonnes relations qui ont toujours existé entre les forces de défense et de sécurité et la douane, mais les bonnes relations qui ont existé entre la douane et les autres services de l'État, mais aussi entre la douane et les opérateurs économiques de la région.